Assalamualaikum bokk internet Top TV dal leen ak jamm ci sen émission Top Vitrine. Tay nak wa Top Vitrine dañu daag won ba fi nga xamne moy noox foire ñu sét ci ki di Mafa Beauté. Mafa Beauté nak so ko déggé salon bo xamne né amna pour homme ak pour femme. Dañuy def soins de visage, massage ak lépp li nga xamne moy taral li di jigen. Avancé touti sét ki nga xamne moy femme waxtaan ak mom touti ci li di salon bi. Gis ngeen sama gañ yeksi nañ fi ci Mafa Beauté bi waaw. Mafa nak mi ngi nek fi nga xamne bo di noox foire Apex 2. Derrière li nga xamné moy rond-point nord foire bi acci len ñu yexi ci biir sama gaay ni ma len ko waxe won ñi ngi ni yexi nañ fi di Mafa Beauté mu nek fi di nord face apex 2 nek fi ki nga xamne modi lisa di charger de la cliente ñom ñu ñew fi pour waxtaan ak ñom ci ga ñi ngi len ni bu baax ñu ci jamm bu baax alhamdoulillah yi nga xamanteni mo moy nord foire derrière cimetière dakar yoff bi apexi 2 donc voilà le bon c'est bon tay nak ñu ñëw fi ni ci Mafa Beauté ñu ndon laaj ben question lañ am pour yow lañ laaj Mafa Beauté lan ngeen def yeen suñu bop ba créer li nga xamne modi Mafa Beauté bi voilà donc Mafa Beauté soko déggé dafa nek ben création bo xam ci 2012 donc fi mu commencé mom ay african head breeding by farmer ñu ko créé aux États-Unis Los Angeles ak Las Vegas donc mu doon ñaar structure yi nga xamanteni Mafa Beauté am na ko fof donc elle compte le faire la même chose au Sénégal donc bo gisee tay innovation bi ñëla mel gis na ñu ko defé comme nice donc dafa nekk ci ben standard bu nga xamanteni au top niveau de la domaine de la coiffure donc so xolé ci une jeune fille bo xamanteni c'est une battante di ke Sénégal dem aux États-Unis jangé fof am ay diplôme ñu Sénégal aussi bëgg innover pour def quelque chose de nouveau wa ba tay ci lolu ñi ngi ñi lay laacc comme yeen yeen ni légui nekato len sama mën na ndir institut de beauté ngeen ndax yeen gis na ni da ngeen di def li di soins de visage da ngeen di def li di massage li nga xamne amna partie bo xamne pour goor ñi la am partie bo xamne pour jigen ñi la ñu ma laacc lolu nan ngeen mo amé inspiration bop bu mëna discerner ñaari partie yo yep voilà donc adnu fu mu toll ni je pense que tout est beauté hein tout est beauté donc raison pour laquelle j'ai dit on dit que beauté mon c'est en général goutier la yamane quoi donc raison pour laquelle on a créé cette structure pour que vous ni mon si bénéfice en même temps aussi tu ni mon tu bénéfice donc comment faire il faut qu'on le défaut de façon que tu n'as attiré ni un moment les clientèles ni attiré les personnes qui ont besoin de nous pour que défaut voilà Sénégal je pense que deux choses qui sont aussi très importantes puis moi je défaut avec jigen ni defaru go ni defaru lek quoi je pense que ñun aussi dañu jël ni comme option ou defar bi quoi c'est tout ce qui est coiffure voilà ñu jaaje fu baax ñu jaal ci ki nga xamne moy suñu Lise di suñu congolaise bi ñaawul bi Lise comment tu vas bonjour je vais bien merci ça va bien comment tu te trouves ici d'accord ici donc c'est ma Mafa Beauté donc je suis chargée de la clientèle ici donc en parlant de Mafa Beauté c'est la dame qui vient des États-Unis elle est venue pour apporter un plus dans la société la société c'est pas seulement la société sénégalaise on voit l'Afrique on voit le monde global parce qu'elle a commencé aux États-Unis d'accord donc dans l'innovation elle apporte dans le
dans le domaine du soin corporel d'une personne. Quand on se sent bien sur soi, on fait du tout. Donc, la dame elle est venue ici, on fait des massages, on fait la coiffure, on fait les ongles, on fait les soins corporels, les soins de visage. Mais à part ça, elle est venue pour contribuer dans le domaine de la beauté. Ce qu'elle a pris aux États-Unis, elle est venue pour ajouter ici, au Sénégal. Donc, dans ce sens-là, il y aura aussi, on aura aussi un moment que on aura des invités qui viendront des États-Unis, qui vont venir ici. On aura des workshops, comme on dit en anglais, pour faire un petit training, une formation avec les équipes, afin d'ajouter en plus dans la communauté sénégalaise, afin que le monde de la beauté aille de l'avant. Donc on aura les tresses américaines, les tresses sénégalaises, et moi qui vous parle, je ne suis pas sénégalaise, je suis congolaise, et quand je parle aussi anglais, donc nous tous on sera là de pouvoir aller de l'avant en fait, de pouvoir être utile dans le domaine de la beauté. En fait. Vous, en tant que congolaise, qu'est-ce qui vous a motivé à venir ici, à ma faire beauté? Déjà, c'est une structure, si vous allez le voir, pas comme telle. Pas comme telle, c'est différent. C'est une dame qui a vraiment une vision autrement, une vision assez différente, et ça contribue par l'innovation. Donc quand on voit Mafa Beauty, on la voit aussi sur Internet, sur Facebook, Mafa Beauty Star, elle est sur Facebook, on voit sur Instagram, c'est toujours le même nom. Et donc c'est ça qui me pousse à pouvoir travailler avec Mafa Beauty, c'est une expérience hors norme. Et vous ne trouvez aucun problème à être ici? J'ai pas de problème parce que ici j'apprends encore une nouvelle culture. À part parler Wolof, que je m'intègre avec la société, on parle anglais, la dame elle parle anglais, je parle anglais. Et je vais ici encore, on aura des formations, on va apprendre ensemble, on va grandir ensemble. C'est ce que peut-être que je n'aurai pas des expériences comme ça dans d'autres salons. Ici c'est une structure vraiment compromettante, vraiment complexe. Je vous remercie. Et environnement où fi nga xamné moy salon bi parce que gis nañ ni am ngeen fi ay goor am ngeen ay jigen yu liggéey ak yeen ñu la seen liggéey bi nan lay ki nan lay démé bah fi mom déjà duñu am problème parce qu'on est une famille. Donc, je pense que ay sœur ak ay frère ñoo fi nek donc ku ci nek aussi am nga ben vision bo bëgg développer xeyna fi occasion mel la moy à ce que nga mën ko développer moy que ni fi ni buñ fi ñëw liggéey lañ fi ant dañ fi mo fi nek le respect professionnalisme ak li nga xamanteni mom moy relation bu clean entre li nga xamanteni ñoo fi nek quoi donc dans ce côté mom je pense qu'amuñu ci problème ak seen clientèle bi nan lay démé ñi joggé ci biti di ñew nan ngeen di liggéey ak ñom ba xam client yi ñom bu ñëwé dinañ am li nga xamné moy satisfaction ci seen ci li nga leen di produire ak ñeen waaw côté bobu aussi tamit je pense qu'amuñu ci problème parce que clientèle bu ñu ñëwé nan leen mettre déjà à l'aise ñu mëna tok mëna jël pot jël café voilà waxtaan ak ñoom dalal leen parce que bo gisee ñi fi nekk ñepp aussi tamit voilà dañu nekk ay personnes yi nga xamne accueillante aussi tam xam nañu exactement fi ñu nekk xam nañu aussi li nga xamne mom ay capacité ou structure bi donc ñoom aussi tamit am nañu expertise dans ce qu'elle fait mom moy coiffure bu rafet donc ñoom amuñu problème dans ce qui concerne la coiffure aussi dañu satisfaire li nga xamne mom moy clientèle bi ñu am par une réduction de 20% ñi nga xamanteni c'est des clients fidèles à nous donc am une réduction bi nga xamanteni dañ leen koy defal ça yu ñëwé voilà donc numéro de téléphone bi moy 77 097 51 51 577 521 523 1836 moy numéro yi quoi exact Mafa Beauty bi OK adresse bi ñu nekk Apexi bon vers Norfois juste ginnaw armoire Dakar yoff bi ci petit rond-point bu ndaw bi nekk fofu rek juste fofu la numéro de téléphone bi 77 097 51 51 wala nga def 77 523 1836 ay ñu leen di jaajeufal gis nga ni la fi démé woon ñew nañ fi nga xamné moy Mafa Beauty ñu fekk bi ki nga xamné moy Tiaka di gérant bi ñu fekk fi tamit ki nga xamné moy Lise di suñu congolaise bu ñaawul bi nga xamné mom moy la clientèle ñu leen di jaajeuf bu baax di leen jox di leen ci yeneen émission encore jaajeuf.